qui exploite Grand Pay? C'est ce que je veux savoir. Hein? Paul Pogba, avec tout ton nom, hein? L'un des meilleurs joueurs, l'un des piliers de la France. De la France. Il y a une fantasme là, le Grand Pay. De la France. Non, non, non. 150 euros. Kamara vient de le détailler tout de suite avec le poste qu'il a fait. 150 euros. C'est soit Grampé ne veut pas dire la vérité à son manager. Et on a Kola Kirtofango. Où les renards? Voilà, on a fait un masuzé. Je dis, hein, c'est soit Grampé n'a pas dit la vérité à son manager. Même le prix du bonbon ment de Paul Pogba, prix du bonbon ment, c'est plus que ça, 150 euros. Prix de bonbon ment. Ou bien les tips de Paul Pogba, tu les salues, ce qu'il va te donner, c'est plus que ça. C'est soit Grampé veut ouvrir les yeux de son manager. Ah, le poste qui vient d'être publié, c'est par Kamara, hein, c'est pas par moi. Mais moi, je dis, c'est soit Grampé veut ouvrir les yeux de Kamara, de son manager Alpha. Ou bien, la famille Pogba a exploité Grampé. Parce que le cachet d'un artiste ne peut pas être 150 dollars, euros. 1 500 000. Non. Même son transport pour aller en France, c'est plus que ça. Aller et retour. Non, 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 non. L'affaire là, Grampé doit dire la vérité. Grampé n'a qu'à dire la vérité. Parce que même Miss Solange, Solange Rouge Zone Vert, qu'on a déplacé de la forêt là, Miss qui n'a pas pu dire son texte là, quoi. Parce qu'elle a été invitée, je ne sais pas si elle est partie ou pas. Simple invité, c'est plus que ça, 150 euros. Peut-être Grampé veut se venger sur son manager. Vous savez, son manager a sa part sur ça. C'est soit son manager aussi a mal négocié, il n'a pas fait son travail. Parce que le contrat devait être ficelé. On paye une partie avant que l'artiste ne prenne le départ. Et le reste, quand l'artiste arrive sur place, on le paye. C'est soit il y a eu contrat ou il n'y a pas eu contrat. On va mettre un bel aramagara, le grand pire. Et on va quoi, un bel aramagara vitesse pour moi, dans un dera quoi. Donc, ça, il faut se dire la vérité. Grand pire, on doit arrêter d'exploiter les enfants. C'est pas une bonne chose. Mais moi je suis sûr d'une chose, wallahi billahi, Grampé veut ouvrir les yeux des Alpha. Grampé veut ouvrir les yeux des Alpha. Alpha. Ah. Wallahi. Wallahi. Ou bien, on n'a qu'à demander à Zaya. Parce que c'est lui qui avait la garde de Grampé là. Ah, s'il n'a pas pris ça pour payer encore Rob 1000 dollars pour Djel Kababintou, ou bien c'est 1500 dollars qu'on a donné à Grampé, et puis, je ne sais pas, on ne comprend rien. On ne comprend absolument rien. Takana, au Takana, on va lui demander, lui il a touché combien? Même si c'est charité là, quoi. Même si c'est charité. On invite les artistes, ils partent là-bas gratuitement. Parce que vers ce que Mola System a donné même à Grampé là, c'est plus que ça. 150. Quoi? 150 euros. Oui. 150 euros. Hé? Subhanallah. C'est soit Grampé est parti se promener, il ne connaît pas l'argent, c'est pas l'argent qu'il veut. Ou bien... Et à même aller au réveillon de KPC, c'était plus que ça. Même ici, ce que Grampé a pu avoir comme cachet, c'est plus que ça. C'est plus que ça.
Alpha, il faut demander ton artiste. Il n'a qu'à te dire la vérité avant de créer le scandale. Grand-père n'a qu'à dire la vérité. Grand-père n'a qu'à dire la vérité. Parce que sur cette affaire, c'est pas clair. C'est pas clair. Ah, les managers qui sont sur la page là, est-ce qu'un artiste peut se déplacer sans contrat, sans qu'on paye l'avance de ton cachet? Ah, en tout cas, ça c'est le béaba des affaires. Manager un artiste, c'est gérer sa carrière. Et gérer une carrière, c'est pas fils à bidilai. Ouais. Autant 150 ans, Nathan Gourounde, famille Paul Pogba. Paul Pogba, même son nom, quoi, c'est plus que 150 euros. Son nom seulement, son nom uniquement, dire Paul Pogba. À plus forte raison, dire la famille Pogba a invité Grand-Pé pour un spectacle international. Walouma occupé grandement, on copie le là. Autant. UPM en a ouin, c'est quoi même? C'est que UPM dit là quoi? Soknara. Dit en Soknara. Hé! Attendez, ouais. Est-ce que. Parce que les compagnies, souvent, eux, ils connaissent l'argent. Hein. Ils connaissent l'argent. Est-ce que un company ne gérait pas le spectacle là, quoi? Non, je dis pas que c'est Grand-Pé qui connaît le contrat, hein, mais même si son manager n'a pas eu le visa, quand même le contrat devait être ficelé avant que Grand-Pé ne bouge. Les billets d'avion, font partie du contrat. Les billets d'avion. Le voyage de Grand-Pé fait partie du contrat. Le logement à l'hôtel fait partie du contrat. Est-ce qu'il y a eu un contrat? S'il n'y a pas eu contrat, Alpha, Moulahira. Tu n'es pas un bon manager. S'il n'y a pas eu un contrat, j'avais confiance en toi. Mais s'il n'y a pas eu de contrat, Alpha, c'est ta faute. Bon, nous, on a dénoncé ça quand même, Mouktarba. Pourquoi le manager n'a pas eu le visa? Mais n'empêche, s'il n'a pas eu le visa, si Grand-Pé, on a tenu à ce que Grand-Pé parle là-bas, franchement, on devait quand même honorer. Il est venu, il a fait un compte-rendu à son manager. Mais moi, je doute fort de ça. Est-ce que Grand-Pé a dit la vérité à son manager? Est-ce que quelqu'un l'a pas dit? Toi aussi, il faut couillonner ton manager. Ouais, j'avais dit ça. Moi, je sais que Grand-Pé a besoin de quelqu'un, quoi. Grand-Pé a besoin d'être géré. Grand-Pé a besoin d'être géré. Il a besoin d'être géré par son manager. Ça, quand même, je l'ai dit. Mais, vous savez, il y a des gens, il y a des kwakwato, quoi. C'est que les Léonais disent souvent, kerkepui. Il y a des kerkepui souvent qui peuvent être entre les gens, quoi. Donc, on peut dire à Grand-Pé, il faut pas montrer l'argent à ton manager. Lui, il aime trop l'argent. En tout cas, l'affaire là, ça a éclaté, go. Si, non, la famille Pogba ne peut pas donner 150 euros à Grand-Pé. Et puis, trois jours, non, le jour même du voyage fait partie, quoi. Le jour où il a commencé à voyager, là. Le jour où il a fait sortir, il est monté dans l'avion. Le contrat commence à démarrer ce jour. 5 jours, ou 6 jours même, aller et retour. Et jusqu'à ce qu'il vienne rencontrer son manager, ça fait partie du contrat. Non, Grand-Pé n'est pas un fou, mon frère. Suliane, bah, Grand-Pé n'est pas fou. Grand-Pé a besoin d'aide. C'est sa nature aussi. Vous savez, franchement, il faudrait qu'on le soutienne quand même. Mais ça, c'est à vérifier quand même. L'affaire est à vérifier. Peut-être Grand-Pé voulait couillonner son manager. Peut-être. La famille Pogba ne peut pas donner 150 euros à Grand-Pé.
Non, 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 non. Et non, 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 non. Forestiers même là ne connaissent pas bien l'argent, quoi. Donc, s'il a l'argent, ils ont l'esprit de partage. Les forestiers ont l'esprit de partage. Ça, quand même, c'est connu par tout le monde. Donc, ils ne peuvent pas exploiter un enfant comme Grampé. Bon, un adulte comme Grampé. Grampé n'est pas un enfant. C'est un adulte. Je jure, moi-même, j'ai oublié à faire de ma voiture là, quoi. Tellement. Non, ça, c'est un scandale. Nous, on ne parle même pas à faire escroquerie ici, quoi. Paul Pogba, même s'il veut aller dans les toilettes là, quoi, c'est plus cher que ça, quoi. 150 euros. C'est lui qui est payé à des milliards de francs guinéens par an. Des milliards, hein. C'est pas un seul milliard, mais des milliards. Lui, non, tout le monde, non, non, arrêtez, arrêtez, non, 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 non. Même Grampé aspire de la pitié. Grampé aspire de la pitié. Donc, Paul Pogba même a eu pitié de lui. Je suis sûr, il a donné même quelque chose à part son cachet. Parce que la famille était contente d'elle. Et puis parmi tous ceux qui étaient partis là, Grampé était la star parmi eux tous. Les gens avaient la curiosité de voir Grampé. C'était la star du moment. Et on a vu sur le net. On ne peut pas donner 150 euros à la star. L'applaudissement que Grampé a eu. Azaya même n'a pas eu ça. Et puis, même Takana n'a pas eu l'applaudissement là. Et je sais pas, hein. Moi je dis le nom de Azaya ici parce qu'il était star là-bas. Hein. Je ne connais pas de. Moi je ne connais pas. Hein. Je l'accuse pas de. Je sais une chose quand même, il est très amoureux. Ça, Grampé n'a qu'à dire la vérité. Wallah, il n'a qu'à dire la vérité. Ça là, je jure, Grampé n'a qu'à dire la vérité. Peut-être il veut couillonner son manager. Alpha, il faut demander. Hein? Hein? En tout cas, d'ici demain, on aura la vérité. Et même là où Grampé a dormi là, 3 jours, c'est plus que 150 euros. Les manger que Grampé a eu à faire là, c'est plus que 150 000 euros. Et je suis sûr d'une chose, quoi. En Europe là-bas, là, en France là-bas, là, les gens sont trop, trop bonasses, quoi. Et la prestation de Grampé, je suis sûr, ils ont mis quelque chose dans sa main. Les 10 euros, les 20 euros là, quoi. Même 50 euros, certains peuvent mettre ça, quoi. C'est quoi ça? Hein? Certains peuvent même mettre ça, quoi. 50 euros. Donc, ça même là, quoi, additionné, ça même additionné, c'est plus que 150 euros. Moi, je ne crois pas quand même, hein. Je ne crois pas en cette affaire-là, quoi. Je crois pas, je suis pas encore stupide. Mais je suis sûr d'une chose. Grampé peut ouvrir les yeux d'Alpha. Ça quand même. Même Bessé là, ce que les soussous appellent là, Bessé. Bessé là. C'est plus que ce que Grampé peut percevoir là-bas. Regardez, même Mola System, le veste qu'il a fait pour Grampé, je sais pas si c'est la famille Pogba qui a eu affaire pour lui ou bien c'est Mola System qui lui a donné gratuitement, mais veste taillée sur mesure. Même nous, on n'a pas cette possibilité. Même Takana n'a pas cette possibilité. Et Grampé, veste taillée sur mesure. Il est même plus qu'Alpha Condé ou Seludalek. Parce que eux-mêmes là, ils peuvent pas s'ils ne volent pas l'argent. Et Oglaza est fort, Ogla fort là. On ne sait pas, on ne connaît pas. On ne connaît pas, on connaît pas. Azaya n'est pas le manager de Grampé. Azaya, qui n'a fait aura cobre fait vago. Il aime la femme plus que la. Même pas la femme, mais il aime Gilkaba Bintou plus que l'argent. Il aime Gilkaba Bintou. Ce n'est pas la femme que Azaya aime, mais il aime Gilkaba Bintou. Voilà. Mais je ne crois pas, hein, je crois pas. L'affaire d'argent des grands pays, je ne crois pas qu'Azaï soit mêlé quand même. Là, il faut se respecter quand même. Respecter le gars, même s'il est amoureux là. Il faut le respecter. Bon, autant, moi, je vais vous laisser. 150 euros. Bon, je vais vous laisser. On va suivre cette affaire. Sûrement d'ici demain, on aura
clair. On va voir clair. Pauta, on est là. On est là.